Bonsoir madame, monsieur, bonsoir, illustres invités. Merci de répondre présent à cette soirée qu'organisent les charmantes et séduisantes femmes d'une CAM, filles d'une CAM, Bigode Bicam et America. Des belles femmes qui ont voulu que nous nous retrouvions ici ce soir pour participer, pour donner un coup de main à cette localité du Cameroun qui traverse d'énormes difficultés. L'Oncam, qui fait partie de la région du littoral. C'est un département qui compte 3 arrondissements et qui, naturellement, compte près de 100 000 habitants. Malheureusement, la zone est enclavée et il faut la sortir de sa léthargie. Les filles d'Oncam vivant aux États-Unis ont décidé d'apporter leur concours à cette localité. Et elles ont choisi cette année l'hôpital de Yabassi, qui doit bénéficier bien évidemment des équipements devant permettre aux femmes d'accoucher dans de meilleures conditions et surtout de permettre aux populations de la localité de bénéficier des soins. Nous vous disons infiniment merci d'être venu, merci de venir soutenir ces femmes et surtout merci parce que je sais que vous allez apporter votre contribution à cette soirée. Merci de venir soutenir une fois de plus ces dames qui œuvre dans le social, dans l'humanitaire. Je voudrais, mesdames et messieurs, parce que nous vivons en harmonie, parce que nous aimons les femmes du CAM, parce que nous aimons l'Oncam et nous aimons le Cameroun aussi, je vais vous demander d'applaudir pour ces femmes qui ont pris cette belle initiative. Ça ne sonne pas bien dans mes oreilles. Ça ne sonne pas bien dans mes oreilles. Ça ne sonne pas bien dans mes oreilles. Est-ce que vous aimez les femmes du CAM? Est-ce que vous aimez les femmes du CAM? Est-ce que vous aimez les femmes du CAM? Les filles du CAM, très belles, charmantes. Vous pouvez les voir dans la salle. Elles sont la parfaite illustration de la beauté féminine au Cameroun. Et je pense que l'initiative qu'elles ont prise ce soir mérite des encouragements. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez de l'amour, non seulement pour ces femmes, mais pour leur localité, Yabassi. Vous savez ce que Yabassi représente pour le Cameroun. Je vais vous informer en vous faisant savoir que la première femme Miss Cameroun vient de Yabassi. C'était en 1960, à l'occasion de l'indépendance du Cameroun. Elle s'appelait Loli Madeleine. Est-ce qu'on peut applaudir pour les femmes du CAM? Elles sont serviables, elles sont gentilles, elles sont courtoises, elles sont magnifiques. Elles savent arranger leur foyer, elles savent construire des localités. Elles ont choisi l'hôpital de Yabassi parce que l'hôpital a besoin du matériel pour permettre aux femmes de faire des beaux enfants comme nous qui sommes dans cette salle. Et je pense que votre appui sera d'une grande importance. Je vous dis encore merci de venir dans cette salle et merci de venir soutenir ces femmes. Ce soir, nous serons certainement accompagnés de DJ Aloïs qui va certainement nous distiller les plus belles sonorités musicales que nous connaissons. Nous allons bénéficier des images de Bruno Kemayou qui fait partie de 15 médias et qui va certainement se charger de mettre sur YouTube cet événement. Et moi, qui vous parle, je m'appelle tout simplement Safi Star. Je suis journaliste Radio TV et j'ai donc accepté de venir soutenir à ma manière les femmes d'une CAM qui font des merveilles pour le Cameroun. Je voudrais, mesdames et messieurs, qu'on accorde encore des applaudissements pour ces belles femmes d'une CAM dont la présidente sera avec nous dans un instant. Merci beaucoup. Vous êtes gentil et courtois. Et pour cela, je vais demander à Didier Aloïs de nous chercher une belle séquence musicale qui va nous permettre de décoller dans cette salle dans les meilleures conditions. Juste une petite musique pour le plaisir de nos invités, Didier Aloïs. Merci. Oh,
merci Didier Louise pour cette belle séquence musicale. Merci encore à vous, mesdames et messieurs, illustres invités. Merci à toutes les associations venues accompagner ces filles d'UNCAM, Bigode et Bigam et America. Nous allons maintenant démarrer notre soirée avec, bien évidemment, celle qui est à l'honneur ce soir, la présidente de cette association des filles d'UNCAM qui va solennellement faire son entrée dans cette salle. Et vous savez, qu'est-ce qu'on réserve à une dame comme celle-là dans une salle comme celle-ci? Je vais vous prier, mesdames et messieurs, de vous lever, accorder une attention particulière à madame la présidente qui va faire son entrée dans quelques secondes seulement. Est-ce qu'on peut se lever pour accueillir madame la présidente dans cette salle et qu'on déclenche les hostilités avec cette charmante présidente que je vous prie d'accueillir? Allez, Didi, à Loïs. Est-ce qu'on peut plaider pour cette charmante dame, les femmes, les filles camoises? Nous sommes à Yabassi, est-ce qu'on peut applaudir très fort pour l'équipe, la charmante équipe, les filles du CAM des États-Unis. Ça mérite des applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. C'est magnifique. Elles sont en harmonie avec la tradition. Et nous sommes dans le CAM. Ces belles femmes, ces charmantes femmes qui pensent à la localité, elles méritent des encouragements dans cette salle. La présidente fait son entrée. Elle s'appelle madame Bono. Et on peut applaudir très très fort pour elle, la dynamique présidente. Ça c'est magnifique. 1, 2, 3, 4 et Didier Aloïse. Stop. Merci, on peut s'asseoir, mesdames et messieurs. Super gentil. Je voudrais bien vous présenter toutes mes excuses pour cette punition que je vous ai donnée ce soir. C'était une façon de célébrer la femme camoise, la fille camoise. Je pense que vous l'avez fait et dans les meilleures conditions. Alors, c'est elle qui préside au destiné de cette association, qui fait beaucoup dans l'humanitaire, dans le social, et qui a déjà réalisé beaucoup d'œuvres du côté des Yabassi. Et cette année encore, les filles d'UNCAM ont décidé d'aller offrir du matériel à l'hôpital de Yabassi, et vous savez combien les populations souffrent dans cette localité pour avoir accès aux soins de santé. Et je pense qu'aujourd'hui, et à travers vos contributions ce soir, nous allons arriver à quelque chose de bien. Nous allons souffler tout petit peu, le temps de permettre à la présidente de respirer, et puis on va revenir pour la suite, juste le temps d'écouter ce temps. Catch me anytime I want to fall, oh, booking.
c'était dans le la fête des jeunes filles, des filles à Bassi, à Washington. C'est intéressant ce qu'elles ont engagé ce soir parce que c'est, je crois que c'est la prélude de commencement de quelque chose d'intéressant. Elles sont en train de faire une, elles ont une intention louable. Elles sont en train de faire un fundraising dans l'intention d'aller financer, selon ce qu'elles ont dit, l'hôpital de Yabassi, qui est dans un état assez sérieux parce que, personnellement, je suis témoin de ce que ça ne va pas là-bas parce que j'étais à Yabassi le 16 du mois de septembre et j'ai personnellement visité l'hôpital. Ce n'est pas intéressant du tout. Donc, l'initiative qu'elles ont eue est louable parce que même chez les hommes, on n'y a pas pensé. Et vraiment, je pense que j'espère que l'argent qu'elles ont pu récolter ce soir, va leur permettre de réaliser le projet qu'elles ont projeté. Et nous ne pourrons que les encourager. Et nous espérons que l'année prochaine, elles pourront avoir un peu plus d'argent pour pouvoir résoudre le problème de Yabassi. Parce que je ne suis pas sûr que le nombre de personnes qui étaient ici aujourd'hui pourraient réunir éventuellement le montant qu'il aurait fallu. Qu'il faudrait pour vraiment de façon efficace aider l'hôpital de Yabassi. C'est dommage que ce soit les forces vives, que ce soit les populations qui prennent l'initiative que le gouvernement devrait prendre. Parce qu'en réalité, si on regarde bien, ce n'est pas une affaire de. Ce n'est pas dans cet état que l'hôpital devait se trouver. Ce n'est pas ce genre d'aide qu'on devait apporter, parce que c'est une aide complètement élémentaire qu'il faut apporter. Il n'y a strictement rien. Il n'y a pas de lit, il n'y a rien du tout. Donc, c'est bien, mais je souhaite à la limite que demain. Parce qu'il y a certainement eu un nouvel élan, selon ce que j'ai entendu sur le plan politique, qu'il y a un nouveau ancien président qui est élu et qui, apparemment, selon les discours que j'ai entendus, apporterait une nouvelle. Veut créer une nouvelle donne finalement, après 36 ans. J'espère qu'il va changer et que, bon, ben voilà, que définitivement à l'hôpital Yabassi, il y aura un peu plus de choses. Hello! Bonsoir à tous. Salut. C'est Alice de Bingondibinkam aux États-Unis. Aujourd'hui, on a eu notre soirée fundraising et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Je remercie toutes les personnes qui nous ont assistés, à partir du Didier, photographe, MC. Ils ont fait vraiment ce qu'on espérait d'eux. Et je vous assure que nous sommes allés au-dessus de nos expectations et je dis vraiment merci à tous les invités. Ils ont été nobles, ils ont été gentils avec nous et ils ont donné des dons qui vont nous permettre vraiment d'aider l'hôpital de Yabassi comme on l'a prévu. Donc merci et prochainement, je souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Merci encore de la part d'Alice, présidente de Bingondibinkam aux États-Unis. Bien, merci de me donner l'opportunité de donner mon avis par rapport à mon intervention pour cette soirée. C'est l'occasion pour nous de montrer notre élan de cœur par rapport à la ville de Yabassi. J'ai eu personnellement l'occasion de visiter l'hôpital de Yabassi qui n'est pas du tout dans un état acceptable. C'est pour ces raisons que j'ai trouvé bon de pouvoir contribuer à ce qu'on puisse acheter le matériel de la maternité de Yabassi et éventuellement aider les infirmiers et les médecins qui travaillent à cet endroit pour qu'ils puissent effectuer leur travail dans de très bonnes conditions. En tant que beau de Yabassi, je me devais de faire en sorte que cela se passe excessivement bien. C'est pour cette raison que je ne pouvais pas me retenir. C'est ce qui justifiait mon élan du cœur pour cette ville de Yabassi. Mais ce que je promets aux femmes Yabassi dans les années à venir, c'est qu'elles organisent davantage de fundraising de cette nature afin que nous qui sommes les beaux de Yabassi, que nous puissions apporter notre contribution afin que Yabassi aille de l'avant. Je suis content de ce qu'aujourd'hui, nous voyons que Yabassi est en train d'avoir au fur et à mesure la route parce que j'ai eu l'occasion de visiter Yabassi il y a cela 2 mois. Et je pense que certainement d'ici l'année à venir, nous aurons l'occasion de voir que Yabassi est en train de sortir de ses sentiers battus. Donc l'année prochaine encore, au cours de cette même cérémonie, je ne manquerai pas d'apporter ma contribution pour que Yabassi aille de l'avant. Pour moi, mes impressions sont bonnes et je pense que c'est une bonne initiative. Tout à l'heure, j'ai vu des images qui m'ont affecté. Et je pense que par rapport à cela, je ne peux que tirer un très très grand chapeau à ces belles dames qui ont pris cette initiative. Je leur dis encore bravo, 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 parce que c'est un mérite. J'ai été
je n'étais pas au courant, mais j'ai été contacté et immédiatement j'ai accepté. J'ai dit ok, tout ce que je peux apporter comme contribution, comme une modeste contribution, c'est mon passage. Et je pense que tout s'est bien passé. Moi c'est Alex Beas, natif gamois. Je suis un fils de l'omnisport. Écoutez, c'est ma première fois d'assister à cet événement. Et tel que je vois les choses se passer, ça a été très bien organisé. L'essentiel a été fait. Contribuer à développer le coin en assistant tant bien autant qu'on peut, autant que cela se peut. Médicalement. Elles se sont engagées à aider pour l'hôpital du village. Et je pense que c'est une initiative qui reste à louer. Les fonds ont été levés. Les bonnes volontés ont donné ce qu'ils pouvaient. Et je ne peux que souhaiter que tout aille de l'avant. Tout s'est bien passé. Voilà. Je serai là la prochaine fois et je pense que ce sera encore plus grand. Beaucoup de personnes vont adhérer à la cause et vont donner ce qu'il faut parce que la santé n'a pas de prix. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, tout s'est bien passé et voilà, à l'année prochaine. Voilà, bye bye. Somebody to love.